Salut chers élèves de B6, dans cette vidéo on veut corriger le devoir. Exercice numéro 7. Complète les égalités suivantes. Alors rappelez avec moi, si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, on obtient une fraction qui lui est égale. Observez. 6 sur 5 est égal à 42 sur 35. Voilà la troisième fraction. 24 sur 20 aussi. Et 240 sur 200. Alors, deuxième partie, 48 sur 60. Observez l'égalité entre ces deux fractions. 60 devient 20. Alors, ce nombre devient plus petit. Donc, on va diviser. Observez 60 divisé par combien Nous dans 20? Ou bien on pose la question suivante. Combien fois 20 nous donne 60 20 fois 3, 20 plus 20 plus 20 nous 60. Et aussi on va diviser le numérateur par 3 pour garder l'égalité entre ces deux fractions. Alors on va diviser 48 par 3. On prend le premier chiffre. Combien fois 3 nous donne 4 Ou plus petit 1 fois 3 est égal 3. On va soustraire. 4 moins 3, 1, on abaisse le 8. Et on pose la question suivante. Combien fois 3 est égal à 18? 6. Et 6 fois 3, 18. Et le reste, 0. Alors, 48 divisé par 3 est égal à 16. Donc, 16 sur 20 est égal à 48 sur 60. On continue. 16 devient 8. Alors. On pose la question, 16 divisé par combien, nous, dans 8, divisé par 2. Et aussi, le dénominateur, divisé par 2. 20 divisé par 2 est égal, quelle est la moitié de 20 10. Donc, 8 sur 10 est égal à 16 sur 20, est égal à 48 sur 60. On continue. 10 devient 30, devient plus grand. Alors, on va multiplier ici. 10 fois 3 est égal à 30 et aussi le numérateur fois 3. 8 oui, fois 3 ça fait 24. 24 sur 30 est égal à 8 dixièmes, est égal à 16 sur 20, est égal à 48 sur 60. Maintenant, troisième partie, 30 sur 24. 30 devient 10, alors devient plus petit, alors on va diviser. Diviser par 3, bien sûr, et aussi le dénominateur divisé par 3. 24 divisé par 3, combien fois 3 est égal à 24, est égal à 8. Donc 10 huitième est égal à 30 sur 24. On continue. 8 devient 48. Alors on va multiplier 8 fois 6 bien sûr et aussi le numérateur fois 6. 10 fois 6 est égal à 60. Alors 60 sur 48 est égal à 10 sur 8 est égal à 30 sur 24. On continue. 48 devient 12 devient plus petit. Alors on va diviser. 48 par un nombre pour avoir 12. Ou bien on dit combien le 12 se répétir pour avoir 48. Ou bien on va faire une opération. 48 divisé par 12. On cache le chiffre des unités dans ces deux nombres. Combien fois 1 est égal à 4? 4. 4 fois 2, ça fait 8. Et 4 fois 1, ça fait 4. Et on va soustraire le reste est égal à 0. Alors, 48. Divisé par 4 est égal à 12, ou bien 48 divisé par 12 est égal à 4. La même chose. Alors, on va diviser le numérateur par 4 aussi. 60, on va faire une opération. 60 divisé par 4, on prend le premier chiffre. Combien fois 4 nous dans 6 au plus petit 1. 1 fois 4, 4. 6 moins 4, 2. Et on abaisse le 0. Combien fois 4 est égal à 20? 4 fois 5, bien sûr. Et le reste est égal à 0. Alors, 60 divisé par 4 est égal à 15. Et voilà, 15 sur 12 est égal à 60 sur 48. Est égal à 10 sur 8. Est égal à 30 sur 24. À la fin, on dit 15 divisé par combien de 5 divisé par 3. Et aussi le dénominateur par 3. 12 divisé par 3 est égal à 4. Alors, toutes les fractions suivantes sont égales. On a fini. N'oubliez pas d'écrire cet exercice sur votre livre. Au revoir.